Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Voisins de Nanou. Eh ben, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on continue le déballage retour de vacances. Donc, cette fois, c'est avec mon partenaire One Day Saving. Voilà. Il m'avait proposé de tester un nouveau produit. Il m'a demandé de choisir. Donc, j'ai choisi cette jolie boîte. Voilà, parce que je voulais ranger mes cover binders, et donc du coup les boîtes que j'ai, ça me plaît pas trop. Et donc celle-là, je me suis dit, ben tiens, on va la faire, on va tester. Alors on va l'ouvrir. Je vous mettrai le prix en info et dans la barre d'infos. On va regarder ensemble. Du montage, Miss Bricolage Nathalie, va-t-elle s'en sortir? Ce n'est point gagné. Bon, ça n'a pas l'air d'être très compliqué, hein. Alors, on a la partie haute de la boîte. Voilà. Ah, oh, très joli, hein. C'est du bois. Ensuite, on a la partie basse de la boîte. Donc j'essaye bien de me repérer comment on va la monter. Et je pense, si je dis pas de bêtises, alors attendez, il y a deux crans. Donc je vais pas la monter parce que je pense qu'il faut diamanter avant. Donc bon, si je vais essayer de faire attention de ne pas l'abîmer. Donc on monte comme ça. Il faut peut-être mettre d'abord les petits, je pense. Ouais, je vais pas la diamanter parce que là il faut que je diamante et j'ai peur que je l'abîme. Donc bon. Donc en résumé, ça se met comme ça. Hein. D'accord. Alors là, ça a l'air de s'emboîter. Voilà. On emboîte. Il y a la partie derrière aussi. Donc il y a les quatre façades à diamanter. Et la boîte. Voilà, je ne l'ai pas enfoncé exprès pour vous montrer. Donc, vous voyez, ma main, elle fait cette taille-là. Donc, la boîte est assez grande. Je vais pouvoir m'éclater à ranger mes petits cover binders dedans. Je pense qu'on la prend ensemble, celle-là. Et on va la faire très, très, très rapidement parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en papotant ensemble. Ça peut être sympa. Allez, on va regarder les couleurs. Alors, on a toujours hein, le fameux toolkit de base de nos amis Chichi. Et voilà, les couleurs, elles sont belles. Hein. Alors, on a 9 couleurs. En plus que ça, parce qu'on a en plus des diamants, on a des diamants spéciaux. Sympa. Alors, on a les strass habituels. Hein. Donc, il y a du jaune, du orange, du bleu turquoise, de l'argenté, du rouge. Et ensuite, on a oh, des belles larmes, des jolies perles bleues et blanches. Donc voilà, la boîte, elle est sublime. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Je pense que ça va être sympa à diamanter en plus. Donc, ça va aller rapidement. Donc, voilà, merci One Day Saving, en tout cas, d'être toujours fidèle avec moi. Je ne compte plus le nombre de partenariats que nous avons ensemble, le nombre d'envois. Mais je sais que mes vidéos vous plaisent, donc je voulais vous remercier. Et malgré tout ce qui s'était passé au début de notre partenariat, vous ne m'avez jamais lâché. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous mettrai à vous, mes chers abonnés, le lien. N'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'il y a plusieurs modèles de mémoire, parce que j'avais choisi ça avant mes vacances. Donc, et ben go 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 go, ça peut servir de boîte comme pour moi, je vais m'en servir en tant que pour ranger mes cover binders, mais ça peut être aussi une boîte pour ranger des bijoux, pour poser ses lunettes quand on fait quand on lit, enfin plein plein de trucs, et même une boîte pour ranger ses stylets, parce que si vous regardez la taille d'un stylet, pardon pour le passage devant, vous voyez, on peut même les ranger dedans. Alors, soit je mets mes cover binders, soit je mets mes stylets. Je ne sais pas trop.
On va voir. Je vais réfléchir. Je vous dirai ça sur une prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager, un petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.